La forêt indigène laurentienne, telle que le frère Marie-Victorin est venu l'examiner. Le même type d'arbre, le même type d'essence d'arbre que l'on retrouve dans son répertoire de la petite flore laurentienne se retrouve ici. D'où la raison pour laquelle moi j'ai tant voulu que ça soit protégé, parce que c'est une des rares forêts indigènes qui reste à Saint-Jérôme comme telle. On a retrouvé toutes sortes de choses, là. Du chêne rouge, l'érable, évidemment du bouleau, des érables giguères, des merisiers, le pin blanc, on en a énormément de pin blanc, de l'épinette. La forêt qu'on avait là-bas, là où se jette la petite rivière Saint-Antoine, où elle commence réellement, c'est une forêt qui est caractéristique d'une forêt centenaire.